Shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est Frère Moïse, toujours sur l'IM Vision. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de notre série de questions et réponses. La fois dernière, nous avons parlé sur la colonne de feu, où nous avons découvert plusieurs nouvelles choses. Aujourd'hui, encore une surprise nous attend. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons encore découvrir plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est la grande tribulation. Est-elle réelle? Est-elle spirituelle? Est-elle déjà passée? Nous y sommes ou elle est à venir? Comme d'habitude, toujours dans le salon de notre pasteur, je suis accompagné par quelques frères ensemble avec moi, dont je m'en vais vous présenter maintenant. Le frère Amos, je vous présente le frère Patrick. Et pour l'information, notre pasteur, c'est le révérend pasteur Roger Masanka de l'Invos Tabernacle à Cape Town, la porte de l'Afrique, comme les prophètes le disent. Je m'en vais moi-même premièrement commencer avec la première question. Si vous me permettez bien, pasteur, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'en vais moi personnellement avec la première question. Qu'est-ce la grande tribulation? Qui l'envoie et pourquoi? Merci. Ok, merci beaucoup, Frère Moïse, pour la question. C'est très important, c'est un sujet profond que nous sommes en train de traiter. En fait, la grande tribulation, vous savez, c'est un sujet aussi qui a discussion, je veux dire. Donc, à la grande tribulation est liée la fin des âges. À la grande tribulation est liée les 70 semaines de Daniel. Il y a les coupes, il y a les fléaux qui sont liés à ça. La venue d'Élie et Moïse, les 144 000. À la grande tribulation est liée beaucoup de choses. Mais on va essayer de donner l'image générale et aussi essayer de la situer dans le temps. Donc pour que je ne sais pas, juste vous montrer si elle est dans le passé, nous y sommes, elle va venir, elle est spirituelle ou comment. Donc au mot grande tribulation, je pense que la définition est d'abord plus meilleure, elle va nous situer. Donc c'est un mot composé, il y a grande et puis il y a tribulation. Donc grande c'est juste pour montrer, c'est un superlatif, c'est pour montrer qu'elle est grande par rapport à une petite. Donc, au grand ou à la grande, on sous-entend la petite. Donc, le mot tribulation lui-même veut dire persécution. Donc, ça veut parler de la persécution. La persécution qui est grande, selon que c'est la grande tribulation. Et alors, nous verrons sa portée si c'est individuel ou bien c'est communautaire, c'est mondial, c'est régional ou c'est comment. Donc, dans le sens ou le cadre de la définition, vous verrez que Jésus est en train de nous promettre les tribulations. Il dit dans le livre des Jean, chapitre 16, depuis verset 33, là je vais lire, il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Donc vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, tout le monde, tout chrétien aura des tribulations. Chacun de nous aura des tribulations. Comme Jean sur l'île de Patmos, c'était une tribulation, vous voyez. Donc, mais cela n'était pas la grande tribulation. La grande tribulation parle d'une période de temps bien déterminée sur le plan de la rédemption ou dans la ligne du temps. Parce qu'à cela est liée la rédemption des Juifs, vous voyez, notamment des 144 000. Alors, si je voulais ajouter un élément, c'est que ces persécutions, les persécutions que Jésus nous promet ici sont des persécutions orchestrées par les hommes du monde, par les gouvernements, par les chefs du monde, sur les croyants ou sur les chrétiens. Parce que la Bible dit qu'on mettra la main sur vous et on vous persécutera. C'est Jésus dans Luc 21, 12 à 19. Il dit, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Donc, les tribulations sont données à tout chrétien et à toute chrétienne. On peut voir le Moyen-Âge, ce n'était pas la grande tribulation, mais c'était les tribulations
des chrétiens. On les prend, on les tue, on déchire les ventres d'une femme, on prend l'enfant, on donne au lion. Vous connaissez l'histoire. Donc, mais quand on parle de la grande tribulation, elle est réellement différente avec toutes les autres tribulations. Aujourd'hui, si vous partez dans des pays musulmans, vous verrez que les chrétiens sont en train de payer par le fait qu'ils sont chrétiens. Vous voyez. Maintenant, la grande tribulation, si je pouvais toucher à ça, la grande tribulation, c'est une période de temps dans laquelle Dieu mène une action triple. C'est pourquoi le prophète parle des triples desseins de la grande tribulation. Donc, dans cette période, Dieu est en train de purifier les vierges folles. Bien sûr, pas la croisade de l'Antichrist. Donc, Dieu, pendant cette période de temps, il va purifier les vierges folles. Et pendant cette période de temps, Dieu va purifier Israël par la descente des nations ou l'attaque des nations. Donc, et aussi, Dieu va purifier le monde ou la terre ou la nature, selon les termes du prophète. Donc, ici, là, troisième dessin ici, Dieu voulant, on pourra parler encore sur la guerre d'Armageddon. Donc, quelle purification avec les faits naturels ou avec les faits spirituels. Parce que le prophète montre que ce qui est fait, c'est un élément purificateur, qu'il soit naturel ou spirituel. Donc, il purifie toujours. Ce n'est pas encore mon sujet. Donc, pour appuyer ce que je viens de dire, je vais lire le septième psaume. Le prophète dit 385, 86 et 87. Il dit, maintenant, nous voyons aussi là que le sixième sceau qui est maintenant ouvert, il y avait trois buts à celui-ci. Donc, trois buts. Or, voici ce qu'étaient ces buts. D'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la grande tribulation pour être purifiée. Là, c'est le prophète qui parle. 87. Voilà le deuxième but. Dieu purifie Israël pendant la période de la tribulation. Et il y aura 144 000 qui seront choisis. Et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu qui purifie Israël. Donc, à cela est lié les 144 000. 388, il dit, remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit, doit être purifié pendant le sixième sceau. Donc, à la grande tribulation est lié aussi le grand sujet du millénium. Quand il n'y a pas la grande tribulation, il n'y a pas encore la grande tribulation. Donc, il n'y a pas encore le millénium. En fait, la nature doit être purifiée pour que le millénium puisse venir. Bien que c'est encore l'élément temps et dans le millénium, le diable est là, il y a les péchés dont on voit la trace quelque part. Mais il y a trois desseins qui arrivent pendant la période de la tribulation. En fait, pour répondre à votre question, bref, la grande tribulation, c'est une période ici. Donc, comme votre question le disait, la grande tribulation, c'est le temps de la persécution orchestrée par l'Antichrist contre les vierges folles. C'est le temps de la persécution des nations qui viennent contre Israël pour sa purification. Et pourquoi cela? Donc, c'est le temps de la purification d'Israël, des vierges folles qui a raté l'enlèvement et aussi de la nature. C'est en fait ça la réponse à votre première question. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, je crois que c'est vraiment clair. Chacun de nous peut comprendre donc, le pourquoi de la tribulation et comment ceci est défini par rapport à la petite. Donc, et le temps bien déterminé. Sans plus tarder, je m'en vais accorder la parole à Frère Amos. Il va aussi poser sa deuxième question. Frère Amos, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole, Frère Moïse. Merci aussi au pasteur pour la disponibilité qu'il a pour nous, alors que nous venons avec nos questions. Cher pasteur, si vous me permettez, je vais devoir poser ma question.
En fait, ma question à moi, je l'amène comme suite. Concernant la durée de la dite persécution, est-elle naturelle ou spirituelle? Et comment se fait-il que Dieu purifie l'Église par l'Antéchrist? Voici ma question. Merci Flamos, merci. La deuxième question. Et en fait, la durée de la persécution est-elle, la dite persécution est-elle spirituelle ou naturelle? Et aussi sa durée, et comment Dieu purifie l'Église par l'Antichrist. Je voulais répondre à la partie B de votre question d'abord, par une écriture. Donc, Dieu va purifier l'Église, la Vierge folle bien sûr, par l'Antichrist, durant la période de la tribulation. Donc, par sa propre volonté, c'est-à-dire la volonté permissive bien sûr. Il va utiliser l'Antichrist. Quand vous lisez Apocalypse 13, verset 7 et 10, la Bible dit, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fit donner le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est destiné à périr par les glaives, périra par les glaives. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Donc, Dieu lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez, qui d'autre qui pouvait donner un pouvoir pareil si ce n'est Dieu lui-même? Donc, Dieu permet, c'est une période de temps où Dieu donne cette autorité-là à la bête de faire la guerre aux saints. Donc, son problème en lui, c'est les saints. Quand les saints vont être persécutés, tués, au prix de leur sang, alors ils vont obtenir leur salut, ce qui leur donne l'accès au royaume de Dieu. Donc, pour la deuxième question, en fait, la durée de la grande tribulation, c'est en réalité 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est là que les choses deviennent un peu sérieuses. C'est 3 ans et demi. Dirons ces 3 ans et demi. Donc, l'Antichrist va faire son showdown. Il va faire ses démonstrations. Il va s'exposer. Il va régner. Il va aller jusqu'à se mettre dans les lieux saints, comme Jésus le dit. Donc, ce sont les 3 ans et demi littéral, réel et naturel. Ce n'est pas spirituel. Ce sont les années qu'on va compter seulement des années prophétiques dans chaque mois à 30 jours. Et c'est là, voyez, quand vous lisez 70 semaines de Daniel, le prophète fait allusion, pour parler de ces temps, il fait allusion au calendrier grégorien, julien, ainsi de suite. Donc, ce sont des calculs naturels. On ne parle pas des 70 semaines de Daniel, sinon on pouvait voir comment il y a le décalage des heures, des jours, ainsi de suite. Alors, même dans nos années que nous avons ici, nous avons des années avec les mois de 29 jours, 28 jours, 30, 31 jours. Donc, maintenant, quand le prophète fait allusion à ces temps ici, il nous montre que les Juifs ont leur manière de compter les années. Ce sont les années prophétiques. Chaque mois a 30 jours. Alors, les mois de 30 jours vont faire 42 mois ou vont faire les 3 ans et demi. En fait, c'est la durée de cela. Maintenant, si vous remarquez bien avec moi, cela prend lieu quand l'Église est partie. Et à cela, on vient de voir que Dieu donne le pouvoir à l'Antichrist. Donc l'Antichrist doit être manifesté en plein dans ses actions. Et là, ce n'est pas spirituel. Comme je lis ici dans le premier psaume 362, le prophète de Dieu nous dit, il dit, dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, Virgile, l'Esprit, Virgile, le diable qui est là-haut en ce monde. Là-haut, c'est bien sûr la dimension, la quatrième dimension, oui, qui est là-haut en ce moment, l'accusateur de nos frères. Très bien. L'Église est enlevée et Satan est précipité. Quand l'Église monte, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'Antichrist et il s'appelle la bête. Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la marque. Si le christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en ce moment, c'est seulement à cause de celui qui retient, paragraphe 366, quand elle aura été enlevée, l'Église, alors il se transformera.
dont l'Antichrist va se transformer, de l'Antichrist qu'il est maintenant, oh, l'Église, la grande Église et tout, voilà qu'il devient la bête. Donc, l'Église passe de l'Antichrist à la bête. Et puis il dit, oh, ah, comme j'aimerais amener les gens à voir ça. La troisième étape, c'est une bête. Un homme qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit tous les pouvoirs qu'avait la Rome païenne. En effet, la bête aux sept têtes, le dragon, il a été précipité du ciel et il est venu s'incarner dans le faux prophète. Donc, l'antichrist, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Le diable est encore antichrist. Il est le faux prophète, c'est ce qui fait de lui antichrist, et pas le fait qu'il prêche une fausse doctrine avec l'Église catholique et autres. Il y aura un temps où il doit quitter l'antichrist pour devenir la bête. Et ce temps-là, c'est quand l'Église n'est plus là. Lui devient la bête. Pourquoi il ne peut pas le faire aujourd'hui? C'est parce que l'Église est encore là. Le Saint-Esprit est encore sur la terre, comme les prophètes le montrent. C'est quand le Saint-Esprit ne sera plus qu'il deviendra la bête. Et quand il devient la bête, c'est le temps de cette purification. Donc ça ne sera pas quelque chose de spirituel. La transformation de l'Antichrist qui quitte les faux prophètes vers la bête, c'est quelque chose de naturel, vous voyez. Il va mener la persécution. Bien sûr que la marque de la bête spirituellement a déjà été posée sur les gens. Ceux qui ont rejeté la marque de Dieu, les sceaux de Dieu. Les sceaux de Dieu, c'est bien sûr la pierre faite avec l'air, selon la prédication stature de l'homme parfait. Ceux qui ont rejeté le message du temps de la fin. Spirituellement, ils ont déjà la marque de la bête. Mais cette marque de la bête, naturellement, doit être manifestée. Et c'est le temps où les faux prophètes n'est plus faux prophètes. Il est maintenant la bête. Et la bête, elle est en train de mener les croisades dans les mondes naturels. Le prophète nous dit que, j'ai lu parole parler, la sémence originelle, paragraphe 9, il dit très bien, j'ai prédit que les deux groupes dénominationnels, c'est une prophétie ici, les deux groupes dénominationnels, c'est-à-dire les groupes pentecôtistes et évangéliques, travailleront ensemble dans une dénomination. Ils s'uniront et deviendront tous membres de la Confédération du Conseil des Églises. Ils y appartiennent déjà tous, et qu'il y aura par eux une contrainte ou un boycott qui arrêtera tout ce qui n'appartient pas à cette union d'Église. La Bible dit qu'il y aura un boycottage à tel point que les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas reçu la marque de la bête, ce qui est le romanisme, et l'image de la bête, c'est-à-dire le protestantisme. La bête avait la puissance et l'autorité pour mener la vie à l'image, pour qu'elle puisse parler. Elle les fit. Et c'est la confédération des églises lorsqu'ils s'unissent. Vous voyez? Donc quand nous parlons de la grande tribulation, nous ne devons jamais oublier la confédération des églises. Et là, ce n'est pas un phénomène spirituel. C'est le nouveau ordre mondial. Nous voyons aujourd'hui Bush et les autres, les États-Unis, tous les grands pays, en train de parler du nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial, c'est les églises qui viennent ensemble, c'est les nations qui viennent ensemble, et finalement, il y a le pape qui doit dominer, coiffer sur tout ça. Et le pape est naturel. C'est un homme qui existe. Il n'est pas spirituel comme une mythe, non. Il va poser ses actes dans les mondes naturels. Parlons de l'alliance Vatican avec Israël. Ce n'est pas spirituel. Ce sont des choses liées à l'économie, vous voyez. Donc, et tout ceci arrive pendant cette période de la grande tribulation. Il arrivera un temps où les églises doivent être fermées. Et le prophète dit, attendez que les conseils écuméniques commencent un peu la pression et vous verrez la puissance qui est maintenant dans l'église, comment elle va se manifester. Juste quand cela est sur le point, il y a chevauchement avec la disparition soudaine de l'église, vous voyez. Et le prophète continue au paragraphe 10, il dit, il y a ici beaucoup de jeunes gens. Souvenez-vous que je parle au nom du Seigneur. Je crois de tout mon cœur que c'est ainsi que cela se terminera. Branham est en train de prophétiser ici. Donc, il y aura un temps où l'on ne va plus acheter ni vendre. Il y aura un temps où il y aura une persécution réelle. Branham dit,
J'ai prédit, il y a des jeunes gens ici. Il dit, il y aura comme une union, un boycottage. Tous les endroits tels que celui-ci seront fermés. Vous ne pourrez pas parler à moins d'avoir une permission ou une licence de cette fédération des églises pour tenir une réunion. Donc, on doit avoir une licence. Ce temps-là doit venir. La licence ici n'est pas spirituelle. Donc, ce temps-là, c'est un temps qui chevauche avec les temps, la période de la grande tribulation. Donc, bref, c'est les 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, l'Antichrist doit venir. Et quand cet Antichrist vient, ce sont des phénomènes réels. Vous voyez, ce n'est pas spirituel, c'est réel. Et les prophètes prophétisent, ils disent, ça va se terminer de cette manière. Il y aura boycottage, il y aura. Donc, et je vous fais remarquer une chose. Quand les prophètes parlent de la confédération des églises, donc vous verrez que c'est quelque chose de très important. Les conseils œcuméniques. Si vous vérifiez aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi que l'église catholique n'est même pas encore dans la confédération mondiale des églises. Vous voyez, l'église catholique, quand elle va adhérer, il y a les démarches qui sont menées, et les conseils mondiaux des églises auprès du pape actuel, demandant qu'ils puissent venir ensemble. Les jours où ils viendront ensemble, c'est alors que l'église catholique va prendre les dessus, selon la prophétie, et cela va chevaucher avec le départ de l'église. La bête, l'antichrist devient la bête, et aujourd'hui, tous nous savons que l'antichrist est encore antichrist et faux prophète. Il n'est pas encore la bête. Pourquoi? C'est parce que le temps n'est pas encore venu. Et alors, bref, pendant ces temps, l'épouse n'est pas sur la terre parce que l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Vous voyez, elle ne passe pas par la grande tribulation. Pourquoi? L'épouse, elle, a été purifiée par l'expiation qui est venue selon Luc 17, 30, Apocalypse 10, et Malachie 4, toutes les promesses rapportant à cet âge. C'est pourquoi elle ne passe pas par la grande tribulation. Ce qui passe par la grande tribulation, c'est pour s'exposer aux trois desseins. C'est-à-dire, c'est l'épouse et l'église qui n'est pas purifiée qui doit y passer pour être purifiée. C'est Israël qui doit reconnaître son expiation, le message de l'air, et faire les deuils de comment ils avaient rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans la première venue. Et il y a aussi la nature qui doit payer pendant cette période de temps. Bref, la grande tribulation, c'est une période durant laquelle l'Antichrist va faire son showdown et cela va durer 3 ans et demi. Comme les prophètes nous l'ont montré, je pense que c'est ce qui pouvait être dit pour cette nouvelle question, frère Amos, d'être venu. Amen. En tout cas, merci beaucoup, cher pasteur. Je crois que frère Amos, vous êtes totalement satisfait. Bien sûr. Ça a été vraiment très clair. Nous avons compris que la grande tribulation, ça durait, c'est 3 ans et demi. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Ça a été bien éclairé. Donc, on nous montre que ça va se passer, c'est quand l'Antichrist va se passer pour la bête. Donc, si longtemps que l'Antichrist n'est pas encore devenu la bête pour l'action du Conseil œcuménique, nous comprenons que la grande tribulation n'est pas encore en pleine action. Donc, je crois que c'est vraiment clair. Nous avons compris qu'il y aura un boycottage. En tout cas, c'est vraiment, vraiment très clair. Cher pasteur, nous sommes vraiment émus et vraiment très contents de la manière dont vous avez éclairé ceci. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais frère Patrick aussi a une préoccupation. Frère Patrick, vous avez la parole. Merci, frère Moïse, pour la parole. Je vous en prie. Cher pasteur, je voulais demander, que dites-vous des presbytériens ou des dénominations qui partent chercher le Saint-Esprit maintenant? Qu'en est-il aussi des 7 sceaux qui sont ouverts pendant la période de la tribulation? Merci. Ok, merci beaucoup Frère Patrick pour la question. Les questions constituent un certain ordre qui va nous aider aussi. Mais je voulais dire une chose, je voulais qu'on analyse l'écriture là, selon les langages des prophètes. On va lire ici l'une d'écriture avant que je ne puisse commenter. Bien sûr, commenter ce que nous comprenons avec l'ensemble des Écritures. Ce matin même, en étudiant, je suis dans l'âge de la Odyssée, paragraphe 294. Il dit, en étudiant le type de ces vierges, au moment même où les vierges forment,
trois points de suspension. La Bible dit, souvenez-vous-en, qu'un cri retentit. Il y a le cri qui retentit. Voici l'époux. Voici l'époux vient. C'est ça le cri. Voici l'époux vient. Donc, montre que l'époux est là, en train de venir. C'est la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur. Et il y a la prédication de la parole. C'est le prophète ici qui a tiré sur ma citation. C'est la venue du Seigneur. Voici l'époux vient. Le prophète dit, c'est la venue du Seigneur. Et puis il dit, il y a la prédication de la parole. C'est la deuxième chose. Donc, il y a l'écrit qui pointe l'époux. Après l'écrit, après la venue du Seigneur, c'est la prédication de la parole. Et puis il dit, alors qu'arrive-t-il? On crie. Le temps est proche, virgule, les bombes atomiques et tous les restes. Tout est prêt. On est en train de prier. C'est déjà le temps de la prédication de la parole. Il dit, et les prédicateurs parcourent les rues et commencent à crier le message. Donc, il y a un temps, le Seigneur vient et on nous les présente. Et après qu'on nous l'ait présenté, on commence à prêcher la parole. Wow. On est en train de dire aux gens, le Seigneur est venu, voici l'époux, voici l'époux. Nous savons bien que cela, c'est la porte à l'événement de 1963. Voici sa bouche, voici ses nerfs. Donc, il y a quand le Seigneur vient, il y a le temps de la prédication de la parole. Wow. Et le prophète est en train de faire les détails. Il dit, les prédicateurs parcourent les rues et commencent à crier le message. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc seulement, nous les gens des nations, notre temps n'est pas chronométré. C'est les Juifs qui ont un temps chronométré. Combien d'années ceci va prendre, on ne sait pas. C'est le problème de Dieu. Et 295, le prophète dit, et dès qu'ils les font, la grande église, les vierges folles, dit, oh, il y a déjà longtemps que nous sommes presbytériens, peut-être que nous allons étudier ces choses et essayer de découvrir cela. Donc, quand nous prêchons le message, et aussi comprendre qu'ils peuvent prêcher les choses que nous prêchons. Donc, nous avons un temps où nous prêchons et entendent et veulent nous imiter. Voilà. Et le prophète dit, oui, vous savez, je crois que nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils vont dire. Et ils se mettent à écrire des brochures à ce sujet. Cela commence maintenant. Donc, le prophète est clair. Qu'est-ce qui commence maintenant? Il commence à écrire les brochures, à prêcher les mêmes histoires que nous prêchons. Donc, mais pour qu'ils commencent à prêcher ce que nous prêchons, ils doivent avoir le temps d'écouter ce que nous prêchons. Exactement. Et quand ils écoutent, alors ils commencent à vouloir nous imiter. Tous nous voyons comment ils baptisent au nom de Jésus-Christ, comment la guérison divine, ils prêchent les sept chandeliers, ils prêchent les âges de l'église. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Ils sont en train d'écrire les brochures. C'est la période où ils sont en train de nous demander de l'huile. Parce que notre message, c'est ça même le Saint-Esprit. La justification a préparé les chemins pour la sanctification. La sanctification au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a préparé les chemins à la venue du Saint-Esprit lui-même. C'est ce qu'ils sont en train de nous demander. Et maintenant, écoutez, les prophètes disent, elles disent, voulez-vous nous en donner un peu? Mais les autres répondent, non. Nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Alors, ils allèrent à la recherche du Saint-Esprit et se mirent à prier comme les font aujourd'hui les églises, ces grandes et belles églises, les organisations. Mais pendant qu'ils allaient chercher l'huile, l'époux vient. Ici, j'accentue une chose. On nous a déjà dit, voici l'époux. Voici l'époux vient. Mais plus tard, on nous dit, l'époux vient. Donc, il y a une période de temps entre « voici l'époux vient » et « l'époux vint pour emporter ». C'est le cycle de la seconde venue. C'est le temps de la prédication. Amen. Cette période de temps, l'accent de la prédication, c'est la venue du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher la venue du Seigneur. Amen. Et quand nous les prêchons, les vierges folles viennent nous demander de l'huile. Et Branham dit que l'huile, c'est la foi de l'enlèvement. Amen. Or, la foi de l'enlèvement, c'est seulement dans le message. Amen. Vous comprenez avec moi que, donc, et quand, pendant que nous prêchons ici, et ce qu'ils font, c'est de nous demander et d'aller chercher. Or, ils n'auront pas cela.
Quand maintenant l'époux vient, il nous emporte. Nous quittons, nous partons dans l'enlèvement. C'est alors que la grande tribulation s'abat. Donc, il cherche l'huile. Ce n'est pas pendant la période de la tribulation. Non. Il cherche l'huile pendant la période de la prédication du message de la venue du Seigneur. Je vais caler cela au temps par rapport à la révélation que nous avons reçue. Mais je voulais ajouter la partie qui reste pour, avec cette citation-là. Le prophète dit au paragraphe 291, il dit, c'est au moment même où il commence à faire cela que l'époux vient prendre ce qui avait de l'huile dans leur lampe et ils s'en vont. Quand les autres arrivent, que se passe-t-il? Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. La période de la tribulation où il y aura des plaies, des gémissements et des grincements des dents. Tandis que l'époux est au ciel. Puis, à la fin de ces 3 ans et demi, c'est là que je parlais de 3 ans et demi. Donc, à la fin de ces 3 ans et demi de la grande tribulation, il viendra comme Joseph et se fera connaître à ses frères. Donc, voilà un peu. La grande tribulation, c'est la période où la Vierge folle est jetée sur les lits de la mondanité. Ce n'est pas la période où il cherche l'huile. Il ne cherche pas l'huile pendant la tribulation, il cherche l'huile pendant que nous on prêche. Je voulais lire encore une écriture. Pourquoi ils ne reçoivent pas l'huile quand ils nous les demandent? C'est parce que l'ange pentecôtiste est tombé dans les chaos depuis 1956. Après cela, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Donc c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Ils peuvent crier, ils peuvent faire tout, ils n'auront pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est seulement dans le message. Pour les gens qui croient le message, pour les gens qui voient, voici l'époux vient. Donc, qui voient l'avenir du Seigneur, ceux-là reçoivent l'huile, vous voyez. Et maintenant, là, la prédication enlèvement, les prophètes précisent encore. L'écrit là, les prophètes précisent. Je veux être un peu clair. Paragraphe 130, les prophètes disent, 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, cri, une voix, une trompette. La dame dit, prenons les cris de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement, qu'est-ce qu'un cri? Un cri de commandement, c'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant l'époux. Donc, l'écrit là, c'est le message qui est proclamé. Amen. Donc, l'écrit qui a dit, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est le message que nous, les prédicateurs, nous sommes en train de parcourir. Les riz, comme le prophète l'a dit, en train de proclamer. Et maintenant, il dit, c'est le pain de vie manifestant l'épouse. Donc, c'est le message. C'est Luc 17, 30, c'est Apocalypse 10, c'est Hébreux 13, 8, c'est Malachie chapitre 4 et toutes les autres promesses. Paragraphe 141, le prophète dit, il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Non pas le temps du départ, mais plutôt le temps de la préparation des lampes. C'est le message que nous recevons. C'est le cri de minuit. C'est le cri de commandement. Et le prophète dit, levez-vous et préparez vos lampes. C'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'il pro, il casse la pensée. C'est Luc 17, 30. C'est Esaïe. Toutes ces prophéties. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures ce qui se rapporte à ces jours. Nous les voyons se dérouler ici même. Donc, c'est Luc 17, 30. C'est Apocalypse 10. Or, quand vous prenez Luc 17, 30, vous les situez dans les temps, vous verrez le prophète dit que Luc 17, 30 se rapporte au discernement des pensées. Là, c'est la manifestation de Luc 17, 30. Mais quand il veut parler de l'accomplissement de Luc 17, 30, il dit, dans quelle attraction sur la montagne? Il dit, messieurs, qu'est-ce qui est arrivé sur la montagne du soleil couchant? C'est Dieu confirmant littéralement la promesse du Saint Luc 17,
30. Donc, Luc 17, 30 s'accomplit littéralement, selon les termes du prophète, en 1963. Avant, c'est la manifestation. Mais l'accomplissement, c'est en 63. Donc, or, Luc 17, 30, c'est ça les cris de minuit. C'est pourquoi le message, les cris de minuit, c'est en 63. Donc, après 63, c'est le temps de la prédication de la parole. C'est le temps de dire aux gens, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le temps qu'on dit aux gens, préparez vos lampes. Donc, nous sommes en 1963, et quand vous lisez les temps, les signes de l'innocent, le prophète dit, c'est comme les mages venant de Babylone. Ils s'écrièrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur la terre en ce moment même. Il faut que nous les trouvions. C'est vrai. Et je crois qu'il est si près de venir que je puis dire, voici l'époux vient. J'entends le cri des minuit. Amen. Le prophète dit, il est sur la terre maintenant. Au point, il est prêt à venir. Au point que je puis dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et lui-même dit, j'entends les cris des minuit. Les cris des minuit et la venue de l'époux se rapportent à l'année 1963. Donc, à partir de 63, nous commençons à proclamer le message de la venue du Seigneur. L'ange avait dit à William Branham de dire au peuple de ne pas faire attention au septième messager pendant les années de préparation de son ministère. Mais qu'on fasse attention sur lui au moment où il va commencer à apporter son propre message. Amen. Et son propre message, c'est ne bois pas, ne fume pas, j'ai une œuvre à faire avec toi quand tu seras vieux. Ce qui se rapporte à l'ouverture des sceaux dans l'accomplissement. Bien sûr, dans la manifestation, on a 17-30, discernement des pensées, mais qui était le deuxième pull. Donc, vous voyez un peu là. En fait, les cris, c'est en 1963. Et je reviens là pour aussi, je peux ajouter aussi un élément. Les sceaux qui s'ouvrent pendant la période de la grande tribulation. C'est une déclaration du prophète. Dans la prédication, les 6-8 de Gabriel à Daniel. Donc, les sceaux qui s'ouvrent pendant la période de tribulation. Je peux aussi vous faire remarquer une chose. Quand les prophètes parlent de Messie Slayer, ils croyaient qu'il y avait deux sept sceaux. Les sceaux à l'intérieur du livre, les sceaux à l'extérieur du livre. Je peux aussi vous faire remarquer un élément. Avant 63, avant l'ouverture des sceaux, le prophète, quand il décrivait l'homme, il disait qu'il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit est au centre de l'âme. Mais après 63, il a renversé pour dire que c'est l'homme qui est au centre de l'esprit. Avant l'ouverture des sceaux, les prophètes disaient que les cavaliers blancs, c'était le Saint-Esprit. Avant l'ouverture des sceaux, les prophètes disent que les sceaux sont ouverts pendant la période de la grande tribulation. Si je lisais avec vous la brèche 48, les prophètes disent, les sept sceaux retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces sept sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. Oui, c'est l'écriture du prophète, vous voyez. Donc, si je peux relire, c'est-à-dire, les sept sceaux retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces sept sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. Donc, avant 1963, avant l'ouverture des sceaux, Frère Branham présumait sur beaucoup de sujets. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Il a présumé qu'il y avait deux sept sceaux. Il a présumé que le cavalier blanc, c'est le Saint-Esprit. Il a présumé aussi que c'est l'Esprit qui est au centre de l'âme. Mais à l'ouverture des sceaux, il a fixé beaucoup de choses. Tout ce qu'il n'a pas fixé, reste comme ça. Ce qu'il a fixé, mérite aussi d'être fixé. Donc, la citation ici, vous verrez qu'elle est seule. Il n'y a pas l'insistance après l'ouverture des sceaux, là où le prophète est en train d'accentuer cette chose. Donc, il nous montre au contraire que l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Voilà un peu là. Donc, quelqu'un peut me... Quand j'ai dit ça, ça peut nous venir à l'esprit l'histoire de Joseph. Joseph, type parfait. Joseph qui se révèle à ses frères.
Et il s'est révélé à ses frères en Égypte. Oui, c'est bon, comme c'était l'Égypte, un pays étranger, grande puissance. Ce n'est pas mon sujet. Je pense, Dieu voulant, quand on va parler sur les deux témoins et les 144 000, on verra comment est-ce qu'Israël est lié par une alliance à la terre là, qui est en Palestine. Donc, prenons par exemple, comme je disais, je vais éveiller votre esprit. Joseph est le type parfait. Comme il a reçu ses frères à l'étranger, donc Jésus reçoit, ou bien les 144 000 les reconnaissent aussi à l'étranger. Mais j'avais une petite question. Joseph est mort en Égypte. La mort de Joseph, comment est-ce qu'on va classer ça? Vous voyez. Et puis, prenez aussi par exemple, Joseph est le type parfait. Le puits qui est la tombe, lequel est avant la cour. Vous pouvez voir, si nous voulons prendre les types parfaits dans sa perfection. Joseph qui est en prison avec deux personnes. L'un à droite, l'un à gauche. Frère Branham dit que cela s'applique à la croix. La prison là était où? En Israël ou en Égypte? Si la croix de Jésus c'était en Israël, donc Joseph avec les deux voleurs dans la prison, c'était aussi en Palestine. Or c'était en Égypte. Ce qui veut dire que si le type est parfait, donc on prend Joseph, donc Jésus n'a jamais été crucifié en Israël. Il a été crucifié aussi en Égypte, parce que c'était la prison égyptienne. Vous verrez que quand on dit type parfait, ce n'est pas votre type parfait, ce n'est pas mon type parfait, c'est le type parfait du prophète. Amen. Comme il dit lui-même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception des... Donc, le prophète fait des exceptions. Ouais. Donc, si Joseph, avec les deux personnes là, c'est l'antitype de Jésus à la croix, alors si tout doit se faire comme dans la vie de Joseph, cela veut dire que Jésus n'est jamais mort en Israël. Mmh. Alors, l'histoire de Caïphe et l'Empire romain n'était pas en Israël. Mmh. Ça doit être à l'étranger. D'où la Bible devient un mythe. Nous lisons des histoires qui ne sont pas correctes. On nous dit qu'il est mort en Palestine, en Israël, mais les types nous montrent qu'il devait mourir en Égypte. D'où Jésus n'est pas encore mort. Le vrai Jésus antitype de Joseph n'est pas encore mort. Vous voyez un peu là. Donc, les prophètes nous montrent que les 144 000, c'est là-bas en Palestine. Ce n'est pas en dehors. Donc, quand on parlera de ce sujet, on pourra y revenir. Voilà un peu ce que je pouvais dire, répondre à la question du frère Patrick. Merci beaucoup. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, en tout cas, cher pasteur, que Dieu vous bénisse richement. Je crois que frère Patrick, c'est vraiment très clair. Très donc, au point que moi-même, je ne sais même pas quoi, un commentaire à faire. Vraiment. Vraiment, donc, en tout cas, c'est très profond. En tout cas, ça, vraiment, ça a réellement éveillé nos esprits. En tout cas, vraiment, je vais m'en aller avec la quatrième question, qui est la dernière. Cher pasteur, vous avez parlé un peu des trois desseins de la grande tribulation. Donc, on a compris la première, c'est pour purifier le vierge folle. Donc, la deuxième ici, ça va s'accomplir selon quelle prophétie et comment va-t-elle s'accomplir? C'est un peu la question que j'ai saisie là. Ok, merci Frère Moïse pour la question. C'est une question très profonde, très, très, très profonde et très importante. Donc, le deuxième dessein, je suis content que vous ayez retenu ce langage de ça. Donc, parce que vous devez comprendre, avoir l'idée, l'image, et l'objectif de la grande tribulation. Quand vous parlez de la grande tribulation, il faut toujours retenir qu'il y a trois desseins dans la grande tribulation. En fait, ici, là, la grande tribulation, c'est la purification d'Israël, comme les prophètes nous l'avaient déjà dit. C'est la période où les 144 000 reçoivent la rédemption par les deux témoins. Donc, tout c'est ce qui concerne Israël. Et normalement, ici, nous ferions mieux de chercher l'étymologie du mot « grande tribulation », l'origine du mot.
la racine du mot. Donc, en voulant découvrir l'étymologie biblique, nous découvrons que l'étymologie grande et les mots grande tribulation, c'est un langage chrétien. Et d'autres religions ne reconnaissent pas le christianisme. Donc, c'est, pourquoi c'est un langage chrétien? C'est un langage chrétien tout simplement parce que c'est Jésus qui a été le premier à utiliser ces mots « grande tribulation ». Avant Jésus, personne n'a utilisé le langage « grande tribulation ». Mais c'est Jésus qui vient avec ce langage. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Quand Jésus vient, si nous les comparons, bien sûr, les mots ici aux Juifs, nous verrons que les Juifs, comme ils ne croient pas en Jésus, et que Jésus a parlé d'un événement qui concerne les Juifs, c'est que les Juifs ont leur langage à eux sur cet événement. Donc, pour les chrétiens, la persécution, là, dit-on, de la fin de la purification d'Israël, c'est la grande tribulation, bien sûr, l'Église, la Vierge folle est aussi là. Mais pour les Juifs eux-mêmes, ce n'est pas l'appellation qu'il fallait. Ils ont leur appellation à eux. Je vais lire une écriture du prophète pour un peu entrer dans le sujet. C'est-à-dire, je lis dans Vision de Patmos, paragraphe 88, 89, 293. Le prophète dit, parle des gens, il dit, « Moi, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation. » Ici, il ne parlait pas de la grande tribulation, Jean. Ce n'était pas de la grande tribulation, elle n'arrive pas pour l'Église. Donc la grande tribulation, quand nous en parlons dans le deuxième dessin, elle n'arrive pas pour l'Église. Et il dit, la grande tribulation est pour les Juifs et non pas pour l'Église. Ce n'était donc pas la grande tribulation dont Jean parlait. Maintenant, au 393, le prophète dit, pour ce qui est de la grande tribulation, beaucoup de gens sont dans la confusion. Mais nous rétablirons cela cette semaine, Dieu voulant, avec l'aide du Seigneur. Vous attendez une période de la grande tribulation, et cela est donné en type dans la Bible par les jours d'épreuve de Jacob. Vous voyez, lorsqu'il était troublé, cela n'a rien à voir avec les nations. Il n'y a aucun type de cela dans la Bible. L'Église des nations est enlevée. Donc la grande tribulation dans le deuxième dessin, c'est quelque chose qui concerne seulement Israël. Or, Israël ne croit pas en Jésus, mais Israël croit en ses prophètes. Donc, comme Jésus n'a pas été le premier prophète à parler de cet événement, et que d'autres prophètes avant lui en avaient parlé, donc Israël croit dans ses prophètes avec le langage de ses prophètes ici. Ce que nous appelons grande tribulation, et ce n'est pas, c'est au fait un événement les concernant, mais qui est appelé, ont une autre terminologie. C'est-à-dire, ils ont une autre appellation, je vais dire. Donc, à cela, je vais dire quoi? Maintenant, pour vérifier la source du mot grande tribulation, nous verrons que c'est Jésus qui en parle dans Matthieu 24 et d'autres passages. Mais quand Jésus en parle, en décrivant, il parle des douleurs de l'enfantement. Quand il montre que la persécution va être grande, c'est un moment qui sera différent, rien de pareil n'est jamais arrivé. La douleur sera comme les douleurs de l'enfantement. Jésus est en train de se référer quand vous fouillez l'écriture là, il se réfère à Jérémie. Et en décrivant, il descend, il parle de l'abomination de la désolation et des troubles et la souffrance. Et quand vous vérifiez ça, vous allez voir que Jésus se réfère à Daniel. C'est Daniel qui a parlé de la désolation, de l'abomination de la désolation et des temps de troubles tels qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe et de l'époque durant laquelle Michaël va descendre comme défenseur du peuple de Daniel. Donc là, nous pouvons quitter un peu Jésus, aller avant Jésus et nous allons atteindre Daniel. Donc, nous comprenons avec vous maintenant que Jésus, en parlant de la grande tribulation, il avait lu certains livres, notamment les livres de Jérémie et les livres de Daniel, et il était en train de répéter ce que Daniel avait dit, répéter ce que Jérémie avait dit, mais seulement avec son langage, donc qui est grande tribulation. Maintenant, si nous retournons là-bas, Daniel l'a appelé comment? Et aussi, Jérémie l'a appelé comment? Quand nous venons chez Daniel, nous trouvons que Daniel parle de ces choses après qu'il ait été en prière à la 68e année
priant le Seigneur, voulant comprendre la fin des 70 ans de captivité à Babylone. Et il est en train de lire les livres du prophète Jérémie, parce que c'est Jérémie qui avait parlé des 70 ans. En lisant les livres de Jérémie, il est tombé là où Jérémie parle d'Israël et de cette persécution. Il ne l'avait pas compris. En priant, Gabriel est venu. Il lui a dit, Daniel, quand tu priais, une parole est sortie. Je suis venu pour te l'expliquer. Il lui donne la révélation des 70 semaines. Donc, lui fait comprendre 70 ans. Gabriel vient, il lui donne la révélation des 70 semaines. Et dans les 70 semaines, Daniel voit la fin. La dernière semaine, la dernière partie de la semaine, il voit la souffrance d'Israël. Et quand il vérifie dans les livres de Jérémie, il découvre que oui, Jérémie a appelé ça d'un nom. Quel nom? C'est les troubles de Jacob. Jérémie lui a parlé des troubles de Jacob. Maintenant, remarquez ceci. Quand on donne à Gabriel, Daniel, les 70 semaines, il y a 62 semaines, il y a 7 semaines et il y a une semaine. Et la dernière semaine, le prophète montre qu'au milieu de la semaine, Jésus-Christ a été crucifié. Il reste 3 ans et demi qui doivent être finis par les deux témoins. Si vous remarquez avec moi ici, vous verrez que les semaines ici, ce sont des années normales, naturelles, non pas spirituelles. Mais ce sont des années ou des mois prophétiques, dont chaque mois a 30 jours. Et le prophète, quand il parle de cette durée de temps, dans laquelle les 3 ans et demi du temps de la fin de la grande tribulation fait partie, il fait allusion au calendrier. Il compare les calendriers juliens, grégoriens et prophétiques ou calendriers juifs. Donc, et tous ces calendriers parlent des années normales. Dormir, se réveiller, comme nous dirons dans un langage courant. Vous voyez, ce ne sont pas des choses, des semaines spirituelles. Ce sont des semaines naturelles. Si c'est spirituel, donc les 3 ans et demi du ministère de Jésus ont été spirituels. Or, si ça devient spirituel, tout est dérangé. Vous voyez? Et le temps de la reconstruction du temple doit aussi être spirituel. Donc, si c'est spirituel, alors les temples n'avaient pas été reconstruits naturellement, étaient reconstruits spirituellement. Et là, nous faisons de la Bible une mythe. Or, la Bible parle des réalités. Dans la grande tribulation, c'est le temps, non pas des nations. Le temps des nations est spirituel. Mais c'est le temps des Juifs, lequel temps est naturel. Maintenant, remarquez, nous voulons lire une écriture là, avec les prophètes. Donc, je ne parle pas au fait des 70 semaines de Daniel. Dans la prédication ici, l'âge des Sardes, exposé là. Et je vais lire ça, c'est en anglais, 272. Et puis il dit... maintenant, avec ce que nous voyons dans Daniel 12, verset 1, qui se réfère à ces 144 000 qui sont scellés durant le sixième sceau et le temps de la grande tribulation ou les troubles de Jacob. Donc, le prophète dit l'appelle grande tribulation ou troubles de Jacob. Quand on parle aux chrétiens, on dit grande tribulation. Quand nous parlons du deuxième dessin, nous disons trouble de Jacob, parce que ça concerne Jacob et c'est les fils de Jacob qui en parlent et qui vont en subir. Vous voyez, et le prophète dit, et à ce moment ici, Daniel et Michaël se lèveront, les grands princes qui est le défenseur de ton peuple, le peuple de Daniel, et il y aura un temps de trouble qui n'est jamais arrivé depuis que les nations existent jusqu'en ce temps ici. Je suis en train de lire en anglais. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time, thy people shall be delivered, everyone. C'est un trouble qui va arriver, lequel trouble n'est jamais arrivé sur la terre. Et ça arrive pendant que les 144 000 sont en train d'être scellés. Donc, les 144 000 sont scellés pendant les troubles. Quel trouble? Les troubles de Jacob. Ce n'est pas un moment de paix. Ce n'est pas un moment où Israël est dans la joie. Non, Israël est dans les troubles. Et ces troubles-là sont chronométrés.
C'est pendant 3 ans et demi. C'est une période qui appartient aux 70 semaines de Daniel. C'est pourquoi, ici, je voulais accentuer. Cette période ne peut jamais être spirituelle, parce que si elle est spirituelle, donc le temple a été reconstruit spirituellement et dans une durée spirituelle, et les 3 ans et demi de ministère de Jésus-Christ n'étaient pas naturels, c'était spirituel, et là, nous dérangeons toute la Bible. Donc, c'est un temps spirituel. On compte 3 ans et demi. Et quand on termine, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est peut-être un autre entretien avec les frères, quand on reviendra pour parler sur le troisième dessin. Maintenant, ici, là, je vais ajouter une écriture, c'est dans 1er Sceau. Vous verrez comment ce trouble-là arrive. 359. Le prophète dit, maintenant, quand il aura tout l'argent bien à main, alors il rompra cette alliance avec les Juifs. Là, c'est l'Antichrist. Il a conclu l'alliance pour 7 ans. Et dès qu'il a tout l'argent à main, il rompt l'alliance. Et ça, l'argent ici n'est pas spirituel. L'argent ici, on parle de l'économie mondiale. Ce sont des choses naturelles. Et le prophète dit, comme Daniel ici a dit qu'il le ferait, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines de Daniel, vous voyez. Et alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il fera un pacte avec le monde parce qu'il détiendra les richesses du monde au complet. Et pendant cette période, les deux témoins entreront en scène et ils appelleront les 144 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la marque de la bête d'Apocalypse 13 sera apposée. Donc, on rompt l'alliance au milieu de 7 ans. Et les 3 ans et demi, nous avons les deux témoins. Nous avons les 144 000 qui sont appelés. C'est une période de temps réel. C'est ça mon accent. Donc, et quand il va rompre l'alliance, alors la persécution commence. Les Juifs, les deux témoins, auront une prédication. Bien sûr, comme c'est le 6e sceau, qui est en train de préparer, ou je ne sais pas, de faire l'avertissement de ce qui doit venir. Voilà un peu ce qui arrive avec les troubles de Jacob. Quand vous lisez avec moi, quelle attraction sur la montagne. Le prophète dit, il est en train de prier, il dit, oh Dieu, tu as promis qu'il arriverait la même chose aujourd'hui. Le jugement est sur le point de frapper le monde des nations. Et les Juifs ont 3 ans et demi de plus. Pendant la période de la tribulation, virgule, la détresse de Jacob. La suite des 70 semaines de Daniel. Donc les troubles de Jacob, la détresse de Jacob, c'est la période de la suite des 70 semaines de Daniel. En d'autres termes, la grande tribulation, c'est la suite des 70 semaines de Daniel. Quand on parle du deuxième dessin. Et ça ne peut pas être spirituel. Maintenant, je vous avais dit que Jésus était en train de prêcher avec les citations du prophète Jérémie. Là, on va les lire avec vous. Dans Jérémie 30, je prends depuis le verset 3, je pourrais m'arrêter à 7. Jérémie prophétise. Il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. » Aujourd'hui, tous nous savons qu'Israël est dans sa patrie. Il est ramené par l'Éternel. Ça, tout le monde, nous sommes d'accord. Et le retour ici, au 19e siècle, au 20e siècle, accomplit cette prophétie ici. Et Jérémie dit, je les ramènerai dans les pays que j'ai donné à leur père, et ils les posséderont. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris de foi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Ici, j'attire encore. Quand Israël sera déjà dans son pays, il y aura un moment où il ne sera pas en paix. C'est pourquoi on l'appelle trouble de Jacob. Il dit, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Il dit, informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Donc c'est un moment où Israël est en train de souffrir. Et il dit, malheur, car ce jour est grand.
il n'y en a point eu de semblable. C'est ce que Jésus a dit. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Il en sera délivré. Donc c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Donc quand Frère Branham parle des troubles de Jacob, il parle de ça. C'est un moment de la souffrance de Jacob. C'est un moment de la persécution de Jacob. Mais Dieu promet qu'il va les délivrer. Vous pouvez lire la suite vous-même. Et quand vous lisez maintenant le sixième sceau, ici là je voulais accentuer, quand j'ai appris qu'il fallait l'émission ici, je me suis dit, je tire quand même certaines écritures essentielles. Écoutez, sixième sceau 244, 260, 263, le prophète dit, je vais vous donner un autre symbole de la grande tribulation. Pour vous faire bien comprendre que de ce côté ici, là il s'agit des juifs, de ce côté-ci de l'enlèvement. Donc dès que l'enlèvement prend lieu, il s'agit des juifs. Il dit, il y en a encore un symbole dans ce qu'on appelle le temps de la détresse pour Jacob. Il dit, c'est un type des juifs de maintenant. Non pas les juifs de temps passé, mais c'est les juifs de maintenant qui sont rentrés. Donc, la détresse de Jacob les concerne. Et alors, Jacob, à un moment donné, voilà qu'il s'est mis à désirer ardemment retourner dans sa patrie. Et c'est précisément ce que Israël a fait. Donc, il met les parallélismes. Comme Israël voulait retourner au temps d'Hitler, c'est l'antitype de ce que Jacob faisait quand il voulait rentrer dans son pays. Et il ajoute, il dit, oh, c'est précisément ce qu'Israël fait. Jacob, c'est Israël. C'est simplement que son nom a été changé. 263. Et puis, quand il s'est mis en route pour rentrer, il a commencé à éprouver au fond de son cœur un sentiment de nostalgie. Seulement, comme il se mettait en route, sur le chemin du retour, il a rencontré Dieu. Et alors, son nom a été changé. Le nom de Jacob a été changé. Et exactement comme les Juifs ont essayé de faire cette alliance avec Rome, vous voyez, par la proposition d'argent. Et Rome a tout l'argent du monde. Je lis un peu encore 265. Il dit, Israël, dans ses temps de détresse, alors qu'il était Jacob, il a lutté avec les là, il s'est emparé de quelque chose de réel. Ça, ce sont les 144 000. Cette bande de tripoteurs d'argent et tout, au moment où ils verront la chose réelle, la chose authentique, c'est dont il faut s'emparer. Vous voyez, Moïse sera là, Élie sera là. Amen. C'est alors qu'ils lutteront avec Dieu jusqu'à ce que les 144 000 des tribus d'Israël aient été appelés à sortir. Ces grands bouleversements de la nature, ils seront déjà produits, ça sera déjà produit auparavant. Maintenant, vous remarquerez ici avec moi que Frère Branham fait le parallélisme et il dit que les 144 000, ça va être pendant cette période-là. Si je lis 276, je vais terminer cette pensée ici. Il dit, la première fois qu'ils aient été délivrés des mains des ennemis, le soleil est devenu comme un sac, noir comme un sac. Maintenant, ceci, c'est la deuxième fois. À la fin de la période de la tribulation, le soleil deviendra noir comme un sac. Ici, là, comme je vous ai dit, Frère Branham touche un peu encore au fléau et aux trompettes. Comme nous terminons, je ne saurais pas entrer dans les trompettes, mais j'accentue ici que la grande tribulation, c'est la période des troubles de Jacob. Et cette période des troubles de Jacob, cette période durant laquelle les 144 000 sont scellés, et il y a la persécution contre Israël, et cette période est la suite des 70 semaines de Daniel. Et quand il faut parler, par exemple, des fléaux et autres, oui, il y a une chose là, comme nous terminons, comme je suis fatigué, cette question va être un peu la dernière, et puis on parlera du troisième dessin, peut-être un autre jour. Donc, il y a une chose qui s'aime aussi, la confusion, quand on parle du sixième sceau, c'est les fléaux, c'est les bouleversements de la nature ou les fléaux qui tombent selon les livres d'Apocalypse. Je voulais souligner une chose.
Les prophètes parlent des choses hideuses qui viennent faire peur aux femmes qui ont des mèches et la nourriture que nous mangeons. Ils disent que les fléaux sont en train de frapper le monde. Ça, c'est une réalité. Quand on dit que les fléaux sont en train de frapper le monde, ça ne veut pas d'emblée dire que nous sommes dans la grande tribulation. Donc ça, je souligne ça. Et si on fait une conclusion pareille, c'est une preuve qu'on ne s'est pas mis à étudier les trompettes. Parce que le prophète nous dit dans l'exposé de la révélation de la divinité de Jésus sortent les sept âges de l'Église. Des sept âges sortent les sept sceaux. Des sept sceaux sortent les sept trompettes. Des sept trompettes sortent les sept coupes. Donc, des sept sortent sept. Des sept sortent sept. Quand vous bousculez encore là avec l'étude du sujet, vous verrez que les sept sceaux ne sont pas brisés dans le premier, deuxième ou avant le septième âge. La révélation des sept sceaux vient dans le septième âge. Donc, du septième sortent les sept. Alors, dans le septième âge, on révèle les sept sceaux. Dans la Bible, l'ouverture du septième sceau annonce l'ouverture, la sonnerie des trompettes dans l'ordre qui est dans la Bible. Bien qu'il y a la brèche ou les breaks de silence. Donc, dans la septième trompette sortent les sept coupes. Alors, vous allez remarquer ceci. Quand vous étudiez les trompettes, chaque trompette a une signification. Vous pouvez la caler au ton. Vous verrez que la première trompette, par exemple, la Bible parle des feux qui descend et brille les arbres, les plantes, tout ce qui est vie végétale. Donc, après celle-là, il y a les feux, quelque chose qui est comme une montagne, les feux qui brillent une partie des navires et les mers, la vie, et les poissons mers, un tiers, ainsi de suite. Et puis, il y a la trompette qui concerne les eaux, c'est la troisième. Là où l'eau devient amère. Donc, et puis la quatrième trompette parle de l'éclipse. C'est-à-dire que le soleil était frappé, tout était devenu noir. Donc, et il y a aussi la cinquième trompette qui parle des scorpions, des choses hideuses. À cela, selon les prophètes, est lié les maladies incurables qui sont aussi dites, je ne sais pas, à l'hybridation et autres. Donc, la sixième trompette, c'est la trompette des Hachman. C'est la trompette de la pré-tribulation. Maintenant, quand vous lisez question-réponse sur la Genèse 240 et 243, les prophètes disent ceci. Question numéro 7, il dit, on lui pose la question. Matthieu 24, 29 dit que le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière et les étoiles tomberont du ciel. Cela arrive-t-il avant ou après l'enlèvement? Ou bien juste avant que Jésus vienne pour régner sur la terre? Abraham répond, il dit, à mon humble conviction, je ne voudrais pas, je ne sais pas. Je pense qu'il parle de Matthieu 24. Là, ainsi, Jésus parle des étoiles et des choses qui tombent. Je crois que c'est juste avant que la tribulation vienne sur la terre. Donc, les trompettes ici prennent place avant la période de la grande tribulation. On va voir les feux qui descendent du ciel. On va voir, je ne sais pas, l'eau qui devient amère, les scorpions, les ceci et cela, et les choses hideuses jusqu'à la sixième trompette. Donc, Abraham ajoute, il dit, paragraphe 243, « Je crois que la lune, les étoiles, les soleils, les étoiles, alors ils disent que j'irai de l'avant, je lirai la Bible, qui dit, vous voyez, et les hommes coururent et se cachèrent, et l'air, ils disent que les montagnes tombent sur nous. Ils essaient de se donner la mort et ne pouvant pas le faire. Je crois que cela se passera juste avant la tribulation. Donc, avant cette période de la grande tribulation, les gens vont chercher la mort. Ils ne vont pas la trouver. Vous voyez, ici aujourd'hui, quand vous voulez analyser, vous verrez que la première trompette, c'est l'effet des brousses. On voit un feu qui sort des brousses et ça brûle les arbres, les plantes, les ceci et cela. Confère Californie, Australie, Cape Town pour en finir et d'autres endroits que vous connaissez. Donc ce sont l'effet des fléaux, c'est l'effet des trompettes. Vous verrez que ces événements, avant notre siècle, avant 19e siècle,
Donc, on n'a pas parlé des faits des brousses. Ça a commencé seulement dans notre génération ici. La deuxième trompette, c'est l'effet, quelque chose comme une montagne qui entre dans l'eau et une grande partie des navires est détruite. Là, tout le monde qui lit, tout le monde qui étudie la parole, sait comprendre qu'il s'agit des volcans qui sont comme des montagnes, explosent, la lave descend jusque dans l'eau, comme vers le Japon, l'Inde, où il y a les volcans même sous l'eau, vous voyez. Et aussi, il y a les essais nucléaires. Tout le monde sait que les grands pays essayent leurs bombes atomiques et autres dans l'eau. Et quand ils les font, il y a les poissons qui meurent. Et il y a la contamination. Vous pouvez voir les cas de Fukushima. Fukushima, c'est les centrales nucléaires en Japon qui a connu des fuites et l'eau a été contaminée. On a même interdit que les gens ne mangent les poissons. C'est cette trompette qui a sonné. Et quand vous venez à la troisième trompette, vous verrez qu'on parle de l'eau qui est devenue amère. Ça ne veut pas dire que l'eau des pompes va devenir amère. C'est un langage spirituel. Parce que quand Jean voit ces choses, Jean n'était pas civilisé de la civilisation de notre siècle ici. Il ne connaissait pas ce que c'est une moto, un véhicule, une bombe atomique, un avion. Il parlait dans le sens des images. Telle chose ressemble à... Quand il a parlé des soldats, 2000 démons, tout ça. Il dit qu'ils avaient des quais comme des scorpions. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qu'un char de combat ressemble à un scorpion. Vous voyez. Lui, il les voyait de lui. Il voyait quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu dans la vie naturelle. Et quand vous en venez à cette trompette de l'eau qui devient amère, il y a carence de l'eau potable aujourd'hui sur la terre. Donc, je suivais les informations le matin. En Inde, donc, ils ont un problème d'eau. Ils n'ont pas l'eau potable. Et pourtant, il y a la mer qui passe là. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes ici en Afrique du Sud. On a un problème d'eau. Et pourtant, nous avons les océans. L'eau potable est difficile à retrouver. Quand vous avancez encore, vous verrez que la quatrième trompette, c'est le soleil qui devient noir. Nous avons l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire qui se répète plusieurs fois au point qu'aujourd'hui les éclipses sont arrivées au point où ça peut couvrir toute une ville. Vous voyez, c'est les trompettes. Et toutes ces choses ici, Branham nous dit que ça prend lié avant la grande tribulation. Même si les prophètes disent que les fléaux sont en train de frapper la terre, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est pendant la période de la tribulation. J'en arrive à la sixième trompette. La sixième trompette, c'est la trompette de la persécution des Juifs. Comme je vous lis l'écriture là, le prophète dit dans le sixième psaume, paragraphe 106 et 110, il dit « Et je ne crois pas qu'il puisse s'agir d'autre chose que de ces groupes des Juifs qui ont passé par une période de pré-tribulation. » Dans une période de pré-tribulation. Pré-tribulation, comme votre français le dit là, c'est avant la tribulation. Et il dit 110, il dit, et au cours de ces dernières guerres, ils ont été haïs par tout le monde. Donc, c'était les martyrs de la tribulation ou de la pré-tribulation des Tchman. Vous voyez? Or, ceux-là ne sont que les types des martyrs des 144 000. Donc, la sixième trompette, ce n'est pas la grande tribulation, c'est pré-tribulation. Je vais dire ici que les fléaux ne concluent pas, ne sous-entendent pas que nous sommes dans la période de la grande tribulation. Vous pouvez avoir les fléaux pendant 6 ans et pourtant la période de la grande tribulation dure 3 ans et demi. Vous voyez que c'est une confusion. Donc, il faut savoir bien étudier la parole. Les trompettes, les 6 premières trompettes sonnent en dehors de la grande tribulation. C'est la 7e trompette qui est le 7e saut pour nous. Et qui est la coiffure du 6e saut. Parce que le 6e saut, comme nous soulignons encore là, le 6e saut, c'est depuis la persécution des Titus jusqu'au temps de la fin, jusqu'à la grande tribulation. Donc, s'il faut dire que non, comme Moïse, comme le 6e saut est ouvert, donc Moïse et Élie sont sur la terre, je pense qu'on n'a pas bien vérifié l'écriture. Parce que comme le 6e saut, et la dépititis. Donc, Élie et Moïse étaient sur la terre. Et pourtant, vous verrez qu'Élie et Moïse n'étaient pas là. Donc, le 6e saut s'est déroulé déjà. Diront les âges, le 6e saut était là. Ça n'impliquait pas la présence littérale d'Élie et Moïse. Mais ici, le prophète nous montre que la 6e trompette, c'est Hetchman. Et c'est le type. Si c'est le type des 144 000,
Donc, les 144 000 seront tués de la même manière qu'Hitler tuait les Juifs dans les années 41. Et s'ils le meurent autrement, donc, ils ne sont pas l'antitype. Et le type a failli, Branham a failli. Or, c'est la pré-tribulation. Donc, c'est un événement qui doit se ressembler littéralement à la grande tribulation. Aussi longtemps que nous n'avons pas les Juifs mourant de cette manière-là dans leur terre palestine, donc la grande tribulation n'a pas encore pris lieu. Donc c'est au fait ça, les fléaux de la première trompette jusqu'à la sixième prennent lieu avant la période de la grande tribulation. Comme je l'ai lu ici dans la prédication, question-réponse sur la Genèse. Donc, le prophète est clair, avec exactitude. Le soleil qui s'est noirci, c'est les éclipses que nous voyons aujourd'hui. Et à cela est lié le surchauffement de la nature. Je ne parle pas de trompette. Peut-être quand je vais parler du troisième dessin avec les guerres, je pourrais toucher à ça. Donc, quand nous voyons aujourd'hui la crise d'eau potable, il y a deux jours, on vient d'annoncer que la mer morte est en train de diminuer à des milliers de mètres cubes chaque année. Et la Palestine, qui ne s'entend pas avec Israël, vient de signer les accords une semaine passée, selon lesquels ils doivent s'entendre pour transporter l'eau de la mer Rouge et l'amener dans la mer morte. Sinon, la mer morte va disparaître. Il y a déjà un problème des eaux sur la terre. Donc, des sources qui tarissent, la mer morte, une mer qui est en train de disparaître. Entrez dans votre site internet, je ne sais pas, vérifiez sur la mer morte et vous verrez ça. Donc, et on doit alimenter cela par des eaux venant d'ailleurs. Ici en Afrique du Sud, ils sont dans les démarches pour acheter l'eau venant du Congo. Vous voyez, sur la terre, il y a déjà un problème des eaux. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans la grande tribulation. Donc, quand la septième trompette est sonnée, Élie et Moïse frappent le monde et après, la colère des dieux est déversée. Et les mêmes phénomènes vont venir maintenant dans les comptes de la colère de Dieu. Tandis que maintenant, les trompettes, c'est l'homme qui se détruit lui-même par son intelligence des bombes atomiques, par les surchauffements de la nature. Il a tout dérangé. Là, c'est l'homme. Tandis que dans la grande tribulation, les fléaux, c'est Dieu qui déverse sa colère sur la terre pour juger le monde. Et la Bible dit pour juger les gens qui détruisent la nature. Qui détruisent la nature? Ce sont les hommes de la science. Voilà un peu ici, là, pour terminer avec la grande tribulation. On a essayé de toucher à ceci, à cela, 70 semaines de Daniel, les trompettes, et nous avons parlé de plusieurs choses. Mais nous croyons, par la grâce du Seigneur, que Dieu va vous révéler encore davantage. Et au fait qu'il y avait de poser cette question, nous sommes contents. Comme on se limite au deuxième dessin, on pourra récolter les questions sur le troisième dessin de la grande tribulation. Et là, nous pourrons parler sur la guerre d'Armageddon, quelle relation est là avec Ézéchiel, la guerre de Gog et Magog. Merci. Dieu vous bénisse richement. Merci, frère. Révérend pasteur, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que ça a été vraiment très clair pour chacun de nous. Nous avons aujourd'hui appris encore quelque chose de plus. Donc, les troubles de Jacob, certaines histoires que nous n'avions pas entendues auparavant. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Chers frères et sœurs qui suivront aussi la vidéo, je crois que ceci sera aussi une bénédiction pour chacun de vous. Bien qu'on n'a pas pu toucher au troisième dessin, faute de temps, je crois que le Seigneur va nous accorder encore une occasion de parler sur ça. Et sur ce, nous allons voir la guerre de Gog et Magog et la guerre d'Armageddon, la relation qui est entre les deux. Et ceci, je crois, ça sera encore une fois une bénédiction pour chacun de vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. À la prochaine. Bon, ici, là, vous me voyez avec la guitare. En fait, c'est depuis quand j'étais trop enfant que j'ai composé, et puis j'ai joué, et puis j'essayais de chanter. Les frères m'ont demandé de faire un chant. Je ne sais pas ce qu'ils vont ressentir quand ils vont me voir en train de chanter. Donc, comme on a voulu aussi répondre aux attentes, ce sont les questions et réponses. Donc, ils ont demandé comme une question,
ils ont droit à une réponse. Ce que j'essaie de faire là, bien que je ne sois pas un meilleur chanteur, je chante une chanson, La Sainte Convocation, je l'ai composée en 1999. Je pense qu'ils connaissent ce qu'ils vont ressentir quand ils vont entendre ça. Que le Seigneur vous bénisse.